Non, non, non. Non. Je voulais pas. Tu regrettes? Je voulais pas. Tu voulais pas exister par toi-même? Être unique? Je suis désolée. Désolée. Je ne voulais pas. Laisse-moi tranquille. Le lundi, tu es quelle? Sarah. Je suis moi. D'accord. Et mardi? Je suis toujours moi, c'est juste que je sors pas. Je sors le lundi et le mercredi, c'est tout. Et le vendredi, c'est ravioli. Ok, tu sais que tu nous fais perdre un temps infini, Sarah. Mais faut me croire, faut me croire. T'es perché? Non, non, je dis la vérité. D'accord. C'est nous qui sommes perchés. J'ai pas dit ça. Bon, on reprend tout depuis le début. T'es là pourquoi? Ma sœur a été tuée. Et c'est moi la responsable. Comment s'appelle ta sœur? Sarah. Sarah comme toi? Oui, comme moi, on est deux sœurs jumelles. On est totalement identiques. À part ce tatouage qu'elle a pas. Et pourquoi tu l'as tuée? Je voulais exister par moi-même, je voulais être différente. Et j'ai fait ce tatouage pour être moi. Et elle a pas aimé. Et du coup, on s'est disputé. Et c'est parti en vrille. Et comment tu l'as tuée? Je sais plus. Ouais, tu sais pas, tu sais pas. Et en plus, il n'y a pas de Sarah Duval dans l'enregistre. Oui, je sais. C'est pas cohérent ce que tu dis, Sarah, là. Je sais. On avait la même identité, mais on sortait jamais, jamais ensemble. C'était l'une ou l'autre. Sarah, il est où le corps? Il est où le corps? Je sais pas. Je sais pas. Il est où le corps? Sarah, il est où? Oh, oh, Sarah. À qui tu parles, hein? À Sarah, mais elle veut pas me dire où elle est. T'as bu? Non. T'as fumé? Non, je dis la vérité. Est-ce que t'es suivie par un docteur? Je vois pas le rapport. Est-ce que t'es suivie par un docteur, Sarah? Il faut me croire. Tu suis au traitement, là, c'est pas possible. Il faut me croire. Allô? Ouais, ouais. Non, on est dispo. Ok, on arrive. Merci. Alors? Un homicide. Verdict? Pour la petite. Je crois qu'on va aller prendre un café. T'as raison. Et ma sœur? Vous allez faire quoi pour ma sœur? Mais t'inquiète pas, on va s'en occuper de ta sœur. Alors je vais même rajouter, on va s'occuper de tout le monde. Sarah, tu vas rester là bien sagement. Il y a quelqu'un qui va venir s'occuper de toi, on va appeler un collègue. D'accord? Il va venir te chercher, il va te prendre en charge. Ok? Ça va aller? Ouais. Pas de panique? Tu peux venir s'il te plaît pour madame? Salut Dédé. Salut. Alors, comment ça va? Ben, ça va et vous? Ben oui, impeccable. La boulot? Ça grandit. Voilà. Qu'est-ce que tu as pour nous? Eh ben, on me l'a apporté il y a deux petites heures là, donc j'ai pas encore eu le temps de faire l'autopsie, mais aux premières observations, je dirais que c'est une chute qui a provoqué la mort.
puisqu'elle avait de nombreuses contusions derrière le crâne. Je vous montre. T'es ça, hein? Oh, putain. Là, je crois qu'on est mal, ouais. Vous connaissez la victime? Ouais, indirectement, mais on a sa sœur jumelle dans le bureau. Mmh. Écoute, André, tu peux pas, je peux voir son bras gauche. Oui, tu sais. Bah, on est dans la merde. Mmh. Ok. Vous voulez la recouvrir? On va... On retourne au bureau parce qu'on a du temps sur la planche. Ouais. Alors, ok, c'est bien. D'accord. Je fais l'autopsie au plus vite et dès que j'en sais plus, je vous contacte. Ça marche. Ok, merci à toi, Guy. Pas de soucis. Allez, bon courage. Merci. Pas de continuer, tu sais.